Salut Manu. Salut. Merci de nous accueillir chez toi. Ça change. D'habitude, c'est moi qui t'accueille. Je voulais savoir maintenant, un petit peu plus de 48 heures après le titre de champion de France, quel sentiment prédomine? Ce qui est assez fou, et je m'en suis rendu compte pendant la séance de reprise à l'entraînement, on n'a pas eu un mot sur le titre et très vite, on a abordé l'échéance à venir. Ça m'a attristé quand je m'en suis rendu compte pendant la séance et après j'ai dit, bon, je pense que personne ne m'en tiendra rigueur et tout le monde était aussi focalisé sur l'objectif, donc il n'y a pas de problème, on se sent bien, non pas soulagé d'un poids, mais content effectivement d'avoir fait notre bon début de saison ou 4-5e de la saison handball avec les résultats qu'on se connaît, donc très content avant l'échéance du quart de finale d'être champion de France. Est-ce que tu es comme Thierry Weisman, le président? Est-ce que pour toi ce titre-là est le plus important, quoi qu'il arrive, d'une saison? Je le pense aussi. On a déjà eu cette discussion avec Thierry. Et quand je suis arrivé au club, au bout d'un an et demi, on a eu la chance de le gagner deux fois. Et j'ai dit à Thierry, j'ai un peu peur que les gens autour, et peut-être nous en interne, on a tendance à banaliser ce titre et à faire quelque chose de normal, alors que c'est une épreuve. Hein. C'est-à-dire que toutes les semaines, il faut relancer une ou deux fois. Parfois, on est en Ligue des Champions, à l'extérieur, on perd. C'est arrivé hein, à Eisberg, par exemple, cette année. Et il faut relancer le mercredi parfois à l'extérieur et retrouver l'énergie et la motivation, etc. Pour moi, c'est une compétition qui est très très dure, très très éprouvante, très exigeante parce que, encore une fois, je le dis, hein, on a commencé tous nos matchs à 0-0, on a tout le temps eu une opportunité de perdre, on a tout le temps eu une opportunité de prendre un mauvais chemin. Voilà, force est de constater que l'équipe a toujours su se relever, a toujours su prendre le bon chemin pour aller gagner et aller chercher les victoires avec. Pourtant, des matchs parfois assez étriqués, hein. J'en ai plein en tête, des matchs qui auraient pu tourner d'un côté ou de l'autre, ou des faits dans un match qui auraient pu nous voir basculer dans une spirale un peu négative. Et pour autant, l'équipe a su chercher la victoire. Donc oui, comme Thierry, je pense vraiment que c'est important. Et c'est ça qui permet aussi pour autant de valider l'aventure en Ligue des Champions sans avoir à attendre une wild card, etc. Et donc là, moi je le dis très, très content, très soulagé. Je ne sais pas ce qui va devenir de la fin du championnat pour nos concurrents, mais en tout cas, je vois que certains se bagarrent pour la deuxième, troisième place. Et quand on sait les enjeux liés à la nécessité de faire la Ligue des Champions année après année pour gagner un peu en crédibilité, c'est quelque chose qui est très, très important. Ouais. Justement, derrière, il y a Brest et Nantes qui se battent pour cette deuxième place. Nantes a gagné à Brest. Est-ce que tu penses quand même que les rebelles vont finir à cette fameuse deuxième place? C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a des dynamiques de résultats, il y a des dynamiques internes. Je veux dire, Nantes en étant troisième est aussi content de sa saison et en étant deuxième l'est d'autant plus. Brest en étant deuxième aura le sentiment d'avoir fait ce que tout le monde attend finalement et en étant troisième d'avoir connu une saison un peu cata. Donc c'est pas simple. On arbitrera à notre façon puisqu'on va à Nantes. Même pareil hein, pour les classes, les matchs et les places pardon d'honneur. On va recevoir Chambray, on va aller à Dijon, donc voilà. Mais bon, pour être très honnête, on arbitrera tranquillement puisqu'on jouera nos matchs pour les gagner parce qu'on a envie de rester dans une dynamique de résultats positifs. Donc, il n'y a pas matière à réfléchir à ça, mais c'est simple pour personne dans ce championnat. Et là, entre Brest et Nantes, je peux pas choisir, quoi. Depuis ton arrivée à Metz Handball, c'est ton sixième titre de champion de France. Est-ce que celui-ci revêt une saveur un petit peu particulière par rapport aux autres, ou alors pas du tout, parce que ce n'est pas le premier, ce n'est pas celui de la reconquête comme l'an dernier? Ouais, je sais, moi celui-là je l'adore. Je l'adore, pourquoi? Parce qu'on connaît à nouveau une intersaison agitée. Chaque fois que je fais la liste, je me dis, ah ouais, quand même, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il y a Grace qui repart, il y a Méline, il y a Astrid, il y a Orlan, il y a Ivana. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, quoi. Et qu'à la fin, on se dit qu'on a recomposé les choses. On a Christina à qui on prête plein de qualités, mais qui arrive quand même d'un club qui n'a jamais joué la Ligue des Champions, qui n'a jamais été championne nationale, et qui ne connaît pas la pression inhérente à un club qui joue la Ligue des Champions et qui doit gagner tout le temps, tout le temps. Et puis voilà, Bruna, le capitana, seul au poste, il y a la blessure de Chamila en fin de saison qui en plus vient décrédibiliser notre choix de l'avoir conservé au détriment d'Orlan. Donc il y a plein de choses qui se bousculent.
Et donc pour moi, celui-là, il est magnifique. Les classer, c'est complexe. Oui, le premier peut-être. Mais celui-là, il est super. Il est beau parce que je crois qu'il y avait encore plus de concurrence que les années passées. Paris, Nantes, Brest, Chambray. Donc voilà, il est super celui-là. Comment tu expliques finalement que la pièce est souvent tombée du bon côté? Tu en parlais tout à l'heure, contre Paris 92, à Toulon. Et finalement, qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que c'est finalement d'avoir souffert durant l'intersaison avec ces matchs amicaux compliqués? Est-ce que c'est cette victoire à Győr qui a été un déclic, une prise de conscience générale peut-être des qualités de cette équipe? Ouais, il y a plein de choses. Ce qui est vrai, c'est qu'on s'entraîne dur. J'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps. Alors, je vais mal... La ressortir, je pense, mais on s'entraîne bien et dur. Et l'enjeu, c'est de dire qu'on ne peut pas être dans le zoo toute la semaine et lâcher tout le monde dans la jungle le week-end et demander et aspirer à ce que tout le monde puisse gagner. Voilà, on vit la jungle au quotidien, on s'entraîne dur et le week-end, c'est ni plus ni moins que la même pression, que le même état d'esprit. Et j'ai bien aimé l'image, et effectivement, on n'est pas dans une zone de confort à la semaine parce que le week-end, ça va taper fort et que ça va taper dur et qu'on attend de nous beaucoup de choses. C'est vrai qu'à Győr, il s'est passé quelque chose. On y a été. Moi, je l'ai dit aux filles, attention, parce qu'on arrive là presque avec le sentiment que ce match-là, il est perdu. Et je l'ai dit, j'ai pas envie qu'effectivement, sans pression, on lâche quelque chose d'humiliant et d'offensant pour tout le monde en disant, bon, quoi qu'il arrive. Et j'ai dit, ça peut. Cette non-pression-là, elle peut nous amener à faire quelque chose, mais il faut aller justement chercher un résultat. Bon, ce n'est pas moi qui ai cherché le résultat, hein. c'est elle clairement, mais le match il a été magnifique, maîtrisé de bout en bout. Tactiquement, tu as quand même fait la différence face à Ambrose Martin. Ce match-là, toujours là. Ce match-là, les filles, elles ont entendu ce qu'on voulait, ou en tout cas, on a réussi à faire passer un message. L'année d'avant, avec des choses qui n'étaient pas exactement les mêmes, on pensait aussi être venu avec un projet cohérent et on en a pris beaucoup. Donc, on n'avait pas été en mesure à ce moment-là certainement de faire entendre la stratégie ou la stratégie n'était pas la bonne. Mais c'est vrai qu'on a été plutôt entendu, on a bien joué. Et puis après, par contre, la maîtrise des ballons et la gestion des temps était juste assez incroyable. Et moi, je l'ai adoré ce match-là. Et peut-être que celui-là nous a permis de dire, putain, finalement, on peut le faire là-bas. Et donc, voilà. Mais même la victoire d'ici, elle est importante parce que Moi, je connais une équipe comme Győr. Je sais pertinemment que quand tu les gagnes là-bas, elles ont envie très vite de dire, voilà, on remet les compteurs à zéro là. Et le refaire une deuxième fois, la première, on peut toujours apparenter ça à une surprise, dire, OK, dès le départ, on n'y a pas été. Maintenant, par contre, voilà, attention. Et le refaire ici, ou à minima, refaire un match de qualité ici contre elles, c'était quelque chose d'important. Donc, voilà. Après, il y a aussi la préparation. Je l'ai redit dans le vestiaire aux filles. Moi, la préparation, elle m'a pris beaucoup d'énergie parce que j'aurais bien aimé très vite séduire le nouveau groupe que j'avais à disposition, murmurer à Christina que c'était la meilleure joueuse du monde et que ici tout se passerait bien, sauf qu'au bout de 3 semaines, j'hurlais déjà sur Christina parce qu'on perdait Bitty Game et je dis attends, t'es sûrement pas... T'as pas compris où est-ce que tu étais encore et les enjeux, quoi. Et du coup, Christina, la période de séduction, on l'a jamais connue, quoi. J'ai pas pu... l'amadouer ou lui dire t'inquiète pas, tout ira bien, on a gagné que de 4 en amical, alors que non, de suite, les premiers matchs à Bigi Game, il y a Christina, attends, ça va pas aller quoi. Toi, comme ça, on va pas aller loin. Et du coup, je me revois après le match à Bigi Game, après 3 semaines de prépa, sauter à la gorge de tout le monde et dire non, ça va pas du tout quoi. Toi et toi. Tu as eu peur à ce moment-là d'une saison très compliquée, en tout cas pas celle que l'on vit? Oui, bien sûr, parce que tout me faisait peur. Tout me fait tout le temps peur. Je me suis dit, est-ce que Laura, Chloé, Bruna, Sarah, Debbie, Louise, Atadou vont être capables de s'enlever les papillons qu'elles ont dans les yeux vécus par un Final Four il y a un mois et demi ou 2 mois à peine, hein, et être capables de se remettre à un niveau d'exigence qui était le leur en fin d'année dernière, quoi, parce que moi je le voyais, le piège, le premier match contre Bitty Game, tu perds. Moi je vois bien Bruna se dire, oh là là, dans quelle galère je me suis embarqué, c'était mieux l'année dernière. Mais comparer le Final Four ou la finale de coupe et puis le premier match de Bitty Game, c'était malhonnête, sauf que tu peux très vite arriver à ça, quoi. Et sauf que j'ai dit à ces filles-là, attention, vous n'êtes pas au niveau qui était le vôtre il y a un mois et demi, quoi. Donc comparons ce qui est comparable. L'enjeu était de comparer notre mois d'août, notre mois de juillet avec cette équipe-là
et le mois de juillet de l'équipe dernière. Sauf que quand tu n'es pas lucide sur ça, bien sûr. Et puis j'ai eu peur que les nouvelles n'apportent pas la plus-value escomptée. Et que nous, ben, on soit le staff moins bon, moins uni, moins dynamique, moins volontaire, etc. Et la prépa ne m'a pas beaucoup rassuré en ce sens, quoi. On est 9 mois après cette préparation. On est fin avril. Metz Handball a gagné 34 matchs, un match nul, une petite défaite. Il ne faut clairement pas banaliser ce genre de résultat, mais quand on donne les chiffres, c'est juste exceptionnel. Moi, ça me rend triste quand j'ai le sentiment qu'on banalise, etc. Et je pense que vous êtes assez, sans être complaisant, assez bienveillant et assez gentil sur le recul que vous avez par rapport à ça et par rapport à nous, je le pense. Hein. Mais je trouve que des fois, on n'en parle pas assez. Et je l'ai dit tout à l'heure, on commence tous les matchs à 0-0. Et même si on a une marge de manœuvre qui, au départ, factuellement, est supérieure aux adversaires, Bruna est meilleur que l'arrière-gauche des autres, nos gardiennes sont meilleures, sauf que y a une erreur d'arbitrage, il y a un match sans, il y a un public hostile, il y a une dynamique d'équipe qui ne se lance jamais, et on passe à travers un match, quoi. Sauf que, bien sûr, X fois, nous ne sommes jamais passés à côté d'un match entier où nous avons toujours trouvé les ressources pour. Et moi, je le dis, ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Moi, on va à Chambray et je me dis, pourvu qu'on commence bien le match, pourvu qu'on le finisse bien, pourvu qu'on n'ait pas trop d'air, pourvu que l'arbitrage soit bon, pourvu que nos gardiennes fassent des arrêts, pourvu qu'on soit bon sur grand espace, pourvu qu'on soit concentré, pourvu qu'on n'ait pas de Presberg. Par exemple, ouais, mais à Chambray, je me dis, ok, c'est parti. Sauf qu'on est testé tout le temps. Et moi, à chaque match, il faut que je trouve une nouvelle histoire pour dire, attention, il y a ça, et peut-être ça, et attention à ça, à ça. Et c'est dur. Mais c'est dur pour les filles, hein, d'abord, de se remettre en selle. Esberg, moi, j'ai le sentiment qu'on n'existe jamais dans le match. Au bout de 10 minutes, il y a déjà 3-4 buts d'avance. On peut revenir, on rate, et puis derrière. Et j'ai dit, bon, ok, c'était pas le nôtre, quoi. La stratégie n'est pas bonne, c'était pas le nôtre. Mais 3 jours après, on va à Chambray, quoi. Et on ne repasse pas par la maison, et qu'on revit tous ensemble, et que derrière, je vois celles qui m'en veulent, celles qui ne sont pas contentes, celles qui s'en veulent. Et puis derrière, il faut retrouver l'énergie, recréer une dynamique pour aller gagner à Chambray, et c'est pas facile. Donc c'est quelque chose d'incroyable. En fait, j'ai souvent envie de dire pourquoi nous on le fait et pas les autres, quoi. Bien sûr. Donc il y a quelque chose, quoi. Sinon c'est facile, quoi. Et il y a plein d'éléments qui l'expliquent, mais encore faut-il aller les chercher, quoi. On sait que tu es très perfectionniste, on sait également que tu te remets beaucoup en question. Est-ce que, à t'écouter, on sent que tu es passé par des moments un petit peu de doute aussi sur cette saison. Est-ce que tu kiffes toujours autant quand même ton métier et ton poste d'entraîneur à Metz Handball? On a l'impression que c'est ça aussi quand même qui te fait vibrer. Moi, j'adore. J'adore ce que je fais et j'adore mon club. J'adore, mais vraiment, hein, je l'adore. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais tant que j'ai la flamme, tant que j'ai l'énergie, ou que je pense en tout cas être un moteur pour ce club-là, je ne vois pas de raison apparente. Et peut-être que des fois, j'aurai le sentiment que ça devient compliqué, quoi. Aujourd'hui, j'adore mon staff, j'adore venir, j'adore l'encadrement des arènes, j'adore les gens avec qui je travaille. Et par contre, la remise en question, elle est permanente. Et je le dis aux filles à la fin du match de 7 sur Belle, même là, alors que j'ai le sentiment que 7 sur Belle ne vient pas avec sa meilleure équipe, mais je suis sûr qu'on peut perdre. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai entraîné une équipe comme 7 sur Belle il n'y a pas très très longtemps de ça, hein, et je ne l'oublie pas. Hein. Et quand on venait à Metz, j'étais convaincu que je pouvais venir gagner. Si moi, à l'époque, j'étais convaincu de ça, pourquoi les autres ne le seraient pas? Et moi, je construisais mon équipe avec la certitude que une bonne gagne de but de notre côté, un jeu sur grand espace efficace, un repli défensif assuré, une bonne dynamique, une mise en confiance, un projet, j'étais sûr que je pouvais venir gagner ici, quoi. Des fois, j'en prenais 10, des fois, j'en prenais 15, des fois, c'était un peu plus serré, mais je suis toujours venu ici avec la même conviction. Et pourquoi les autres n'y arriveraient pas ou ne le feraient pas, je ne sais pas. Une fois, on a fait nul ici contre Bourg-de-Péage. Hein. Mmh. Voilà, ça peut arriver encore et encore et encore, et il faut qu'on arrive à rester concentré. Mais j'adore ce que je fais, vraiment. Et la remise en question, elle est permanente. On fait une trêve internationale, j'ai la responsabilité de Laura Canor à ce moment-là. On est presque seul, elle, quelques joueuses et moi. Et j'ai envie de la dynamiser, j'ai envie de trouver les ressources pour l'amuser. Et donc, on crée des choses, on fait des jeux, on cherche. Moi, des fois, je suis comme un chanteur ou comme un écrivain ou comme un,
Ouais, quelqu'un qui raconte des histoires. Je me pose devant ma feuille, mon cahier, et je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai jamais fait? Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à tout le monde ou pour créer un peu d'énergie? Là, avant le match de Brest, j'ai essayé, je me dis, OK, là, il faut que tu trouves une nouvelle séquence, une nouvelle histoire à raconter aux filles, un nouvel exercice, une nouvelle situation. Et je me mets à la maison, sur mon cahier, je dis, bon, OK, ça pourrait faire ça, et non, ça ne va pas. Et ça pourrait faire ça, oui, mais alors si je fais ça, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, j'arrive à l'entraînement. Je le lance, je vois que ça prend un peu, bien, beaucoup ou pas du tout. Avant Brest, j'ai eu le sentiment que c'est passé, que ça a dynamisé, que ça a mis un truc sympa. Voilà, des fois ça ne marche pas, mais par contre, oui, on s'évertue à trouver des choses nouvelles. Il y a un peu plus de 350 jours par an. La fois dernière, on avait checké combien de fois on s'entraîne. C'est entre 350 et 400 fois, donc il faut trouver des choses dynamisantes sans que ce soit too much. Tu as parlé du staff, des joueuses. Il y a aussi une donnée importante à Metz Handball, c'est le public qui joue un rôle important, notamment par exemple lors du match contre Brest. C'est vrai que Metz Handball a cette chance-là d'avoir un public aussi de connaisseurs. Oui, c'est sûr. Je me rappelle l'année dernière, il y a un moment dans la saison où on va à la mi-temps avec un scénario défavorable. Je check le speaker et je fais... Ne nous laissez pas tomber là parce qu'on est dans le dur et je sens que vous savez qu'on y est quoi. Et ça m'a coûté de lui dire, mais je sentais, il y a eu un moment dans le match. De flottement, où nous on n'y était pas. Et les gens se sont mis à compter parce qu'il y avait un match aller-retour. Les gens se sont mis à compter en disant, putain, là autour de la 20e on n'y était plus. Et j'ai dit, les gens nous ont fait sentir qu'on n'était plus en course quoi à ce moment-là. Et j'ai dit, il faut. Deuxième mi-temps, c'est reparti, génial. Cette année, c'est encore meilleur, je crois, que les années précédentes, eu égard, un, de l'affluence, de l'énergie, de la dynamique, de ce qui est créé dans tout le club. Quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire de voir 3500 spectateurs le mercredi soir, ouais, ou même le samedi à 18h pour, entre guillemets, sans faire injure à cette équipe, Mérignac, il y avait 4000 spectateurs. On rencontre Celles-sur-Belle, même si c'était le match du titre. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Et en plus, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on vit un mois de décembre où on est excessivement à l'extérieur. On va à Zagreb, on va à Kastamonu et on joue beaucoup de matchs hors de Metz. Et par contre, revers de la médaille, en janvier, on a enchaîné. Et que des gros matchs. Tous les gros matchs de Ligue des Champions et des matchs de championnat avec ici Paris qui est venu s'intercaler. Enfin, premier match de janvier, il y a Esberg, il y a Győr, il y a Bucarest tout à la fin. Et je me dis, là, c'est dur pour le portefeuille, quoi, de venir et d'assumer. Il y a un gros match, il y a un gros match, il y a un gros match, il y a un gros match. On a tout le temps eu du monde, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je suis reconnaissant de ça, plus, et les filles aussi. Dès qu'on peut avoir un mot, dans le vestiaire, on l'a. Et je sens que, pardonnez-moi l'expression, que je ne pisse pas dans un violon. Je sens vraiment que les filles sont réceptives à ça et que tout le monde se dit, oui, c'est vrai. Et là, je vais te dire, pareil, c'est pas de la démagogie, on le pense. Celles-sur-Belle, le match, il a entendu à la mi-temps. Et on a un petit mot. Moi, je dis, voilà, celui qui est venu mettre un billet sur la place, il n'est pas venu voir une demi-heure. Mmh. Il n'a pas dit au président, je viens pour une demi-heure, je prends un demi-tarif et je m'en vais à la mi-temps. Il est venu pour voir un match entier, quoi. Et donc, on a 2 fois 30 minutes à jouer. Je pense qu'on a joué le jeu. Alors, on a continué à mettre du rythme sur la deuxième mi-temps. L'écart a été un petit peu plus conséquent encore. Et c'est super, et c'est très, 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 très important. On vit une époque hors handball, bien évidemment, difficile. C'est compliqué pour les gens de venir s'engager, s'investir, mettre des sous dans le Metz handball. Quand les gens le font, il faut être là, quoi. On n'a pas le droit aujourd'hui de fermer les yeux sur ce qui se passe. On n'est pas déconnecté, on ne vit pas dans une bulle. On sait la difficulté générée par un quotidien aujourd'hui dans une vie normale. Il faut qu'on soit à la hauteur de tout ça. Pour le public, mais également pour l'équipe et pour toi, est-ce qu'il y a un regret que finalement ce championnat ne se termine pas comme la saison passée sur une finale aller-retour au zéro, suspense. Zéro. C'est vrai? Écoute, je l'ai dit à Nicolas Jarza, le préparateur physique, à l'issue du match, j'ai dit heureusement qu'il n'y a pas de play-off. En fait, je trouve que cette saison-là, elle mérite d'avoir cette apothéose-là. Je trouve qu'on est au-dessus. Parce que l'année dernière, vous êtes au-dessus et finalement, ça ne se joue à rien. Voilà. Mais moi, je suis le premier pour dire, peut-être que Brest a eu autant de défaites
parce qu'il y avait ce principe de play-off et de play-down. Et peut-être qu'elles ont joué de ça. Mm-hmm. Peut-être qu'elles ont accepté de perdre des fois, privilégiant certaines échéances, certains matchs, etc., etc. Peut-être que c'était la stratégie utilisée l'année dernière, et auquel cas, moi, je dis rien. Je la ferme, mais je dis pas de souci. On est invaincu, ça vaut rien, on sait comment ça se joue. Et je suis content qu'on arrive là avec un adversaire direct et ou des adversaires avec 5 défaites ou 5 défaites et un nul, et que je puisse dire cette année, ok, là on la mérite, et personne n'a calculé, tout le monde a voulu aller au bout et tout le monde a voulu gagner. Et donc ça me fait plaisir, parce que maintenant j'aspire à ce qu'on puisse le refêter ici dans pas longtemps, et le refêter ici dans pas longtemps, et le refêter ici dans pas longtemps, finalement à chaque fois qu'on sera là jusqu'à la fin de l'année. Et je trouve que ce serait tout aussi beau de venir ici le vivre et d'encourager les gens à venir le fêter à chaque fois. Je trouve que ça aurait un visage assez sympathique. Alors ce 25e titre est dans la poche. Maintenant, focus sur la Ligue des Champions avec cette double confrontation contre FTC, avec un match aller en Hongrie. Comment tu l'envisages sur ce match? Il ne faut pas forcément gagner, mais pas occulter toutes les chances de faire la différence sur le match retour. J'ai rien de plus à rajouter. D'abord, j'ai une anecdote avec FTC, c'est que je regarde la Ligue des Champions tous les ans, bien sûr, et ça fait 4-5 ans. Je me dis, un jour, ils vont le faire, le Final Four, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, ils sont en quart de finale, je les vois passer, ça passe pas. Et je me dis, putain, ça doit être tellement dur d'être à 5 minutes d'un Final Four, parce que tu es à la maison, tu es à côté. Et d'imaginer ce que ça peut générer dans la tête de tous tes supporters, de se dire, putain, je suis à côté, etc. Et de se dire, cette année, je pourrais le faire. L'année d'après, quart de finale, je me dis, c'est pour cette année, ils ont l'effectif pour, etc. Non. L'année d'après, je me dis, ils ont l'effectif pour cette année, c'est pas possible. Et puis vient effectivement le moment où on les joue et je me dis, mais pour le coup, là, j'espère que c'est pas cette année. Il y a une belle équipe, avec l'expérience qu'elle manquait peut-être l'année précédente. Il y a Lekic qui a déjà gagné la Ligue des Champions, il y a Zvicic qui a déjà gagné la Ligue des Champions, il y a Tomori qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Ces trois filles-là n'étaient pas là l'année dernière. Donc je pense que la maîtrise de l'événement, elles le connaissent maintenant et elles ont peut-être créé ce qu'elles manquaient l'année dernière, c'est-à-dire la fougue créée et générée par les Malenstein, les Bolk, les gardiens de but est toujours là, sauf qu'il y a l'expérience maintenant à ça. Après, je suis d'accord avec toi, ma peut-être plus grosse désillusion à Metz, c'est le quart de finale Ligue des Champions à Bucarest quand on en prend 13, où je me considère encore et toujours aujourd'hui comme le responsable de ça, avec un match mal maîtrisé. Plutôt que de perdre de 10, j'aurais dû savoir perdre de 9. À défaut de perdre de 11, j'aurais dû savoir perdre de 10, de 12, de 11, de 13, de 12, et ça va à 13, et c'est beaucoup, quoi. Pas irrémédial, parce qu'on aurait pu, peut-être, mais on part de loin, quoi. Et donc, voilà, c'est peut-être pas aller chercher une qualif, parce que je pense qu'elle n'arrivera jamais, mais surtout ne pas être effectivement éliminé avant le match retour, quoi. Alors, tu as parlé de beaucoup de joueuses, tu n'as pas parlé de Catherine Kluber, qui est la meilleure marqueuse de cette équipe, avec 101 buts en Ligue des Champions. Il y a Malenstein, que tu connais bien, la néerlandaise. Il y a Emily Bölk, l'allemande. C'est vrai que cette équipe, elle est peut-être sous-cotée sur cette Ligue des Champions, alors qu'elle a montré de très belles choses contre Vipers, notamment. C'est une équipe qui a gagné Odense deux fois. Odense est troisième de la poule, qui a perdu de peu contre Bucarest et Vipers, qui sont en premier qualifié. C'est une équipe qui vient de battre Győr en finale de Coupe de Hongrie dimanche. Donc c'est une équipe qui est dans la partie, quoi. Je ne parle pas de Kluber, effectivement, mais c'est un oubli de ma part à ce moment-là, parce qu'elle a plus de 100 buts. Et elle ne joue pas tout le temps, puisqu'il y a quand même Alicia Stolle, qui est une arrière-droite allemande internationale, et qui joue aussi, et qui vient récupérer 10, 15, 20 minutes en fonction de l'état de forme de Kluber. Donc, c'est une arme offensive plus. Donc, c'est une bonne équipe. Elle est surtout pas sous-cotée par le staff technique. J'espère qu'elle n'est pas sous-cotée par les joueuses dont on a la responsabilité, mais je le pense pas. Voilà, après, il va falloir jouer ces matchs-là, mais moi, je pense que c'est une très, très bonne équipe de Ligue des Champions. Ouais. Quelles sont ses failles, justement, puisque contre Brest, elle n'a pas eu forcément des gros résultats, elle s'incline notamment dans le Finistère, et je présume, comme tu l'as dit, que tu as regardé cette confrontation de dimanche en Coupe de Hongrie avec cette victoire de FTC contre Győr. Alors, certes d'un but, mais gagner un trophée contre Győr 28-27, là aussi, c'est significatif. Alors, il y a deux choses. À Brest, elles n'y vont pas avec tout le monde,
un ou deux jours avant, il y a une dynamique Covid là-bas et Kluber, par exemple, n'est pas du voyage. Et quand on dit que Kluber, elle met 100 buts par match, elle apporte une réelle... 100 buts par match. Qu'elle a mis 100 buts depuis le début de saison, pardon, elle apporte une certaine dangerosité. Et c'est vrai que c'est assez négligeable de ne pas l'avoir à ce moment-là. Moi, le match de Gurs de dimanche m'interpelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, elles en prennent plus de 10 contre Gurs en championnat. 15 jours après, elles vont les gagner. Je trouve que c'est faire preuve d'une réelle souplesse tactique, d'une vraie force de caractère que de se dire bah, contre cette équipe-là, il y a 15 jours, on a perdu de 13 ou de 12 ou de 10 et on va les gagner un tout petit peu. Moi, j'aurais adoré que mon équipe vive ça parce que je trouve que c'est constructeur pour l'avenir de quelque chose de très, très grand, de se dire face à l'une des meilleures équipes d'Europe, on a perdu il n'y a pas longtemps. Mais par contre, les filles, vraisemblablement, en mettant les ingrédients pour, en étant sérieux, en bossant bien, on est capable d'eux. Qu'est-ce qui fait que l'état d'esprit serait différent sur le match à venir? Donc, je pense que c'est pour elles quelque chose qui devrait les booster sur le temps à venir. Ouais. Comment tu sens ton équipe à l'approche de ce grand rendez-vous? Il y a le fait que finalement le championnat soit acquis, mais on sent que cette équipe-là, elle n'est pas rassasiée. Elle a faim, c'est peut-être l'équipe que tu coaches qui justement a le plus envie d'aller au Final Four, mais pas pour y faire de la figuration. Mais pour aller au Final Four, il faut passer FTC. Oui, c'est sûr. Bah, je pense que personne n'a envie de s'arrêter là, bien sûr. Peut-être que pour le coup, le fait que le titre soit donné en amont, mettre dans la tête des filles, ok, ça c'est fait. Maintenant, c'est reparti. On se relance avec la Ligue des Champions pour différencier peut-être les deux compétitions. Là, aujourd'hui, je sens un groupe normal, impacté par rien du tout, bien sûr. On a travaillé de suite, on s'est de suite penché sur le match à venir en commençant à donner 2-3 éléments et 2-3 choses qu'il fallait déjà prendre en considération. Donc voilà, je pense que la pression va monter au fur et à mesure. On n'a pas encore commencé la séquence vidéo, on va en faire un peu plus que d'habitude. On a un peu plus de séquences, on a vu un peu plus de matchs encore que d'habitude, donc il a fallu trier. Maintenant, voilà, je pense que les choses et la pression montera progressivement. On a vu Bruna De Paola arriver sur le terrain pour fêter le titre avec ses copines en courant. On présume qu'elle sera sur le terrain ce samedi à FTC. Est-ce que tu as hésité, en tout cas, à lui donner un petit peu de temps de jeu contre Celles-sur-Belle pour qu'elle retrouve peut-être un petit peu de rythme? Non, on n'a pas du tout hésité contre Celles-sur-Belle. D'abord, ce qu'il était entendu pour elle ne lui laissait pas la possibilité de... Elle n'avait pas encore repris d'entraînement handball avec l'équipe. Et on avait la volonté de la faire reprendre d'abord en spé avec le staff technique, une fois que le staff médical, kiné inclus bien sûr, avait fait l'essentiel du travail avec elle. Voilà, aujourd'hui, à ce jour, elle n'a pas encore repris l'entraînement collectif. Ça devrait arriver très très vite, mais on n'a pas eu le sentiment que priver Bruna de 5 ou 10 ou 15 minutes la pénaliserait pour le match. Je pense qu'elle a montré assez de choses. Elle a assez de recul, d'expérience pour être en mesure de faire un match plein. Et puis, petite confidence, sur l'une des séances SP, c'est moi qui me suis risqué à défendre sur elle. Et j'ai très vite senti qu'elle était en forme et que sa qualité d'appui avait peu été impactée. Ou alors, elle n'est pas en forme et c'est moi qui suis complètement à la ramasse, ce qui est aussi fort possible. C'est parce que tu vas bientôt avoir 40 ans au mois de juin. Ouais, ça aussi, ça compte. Mais ce n'est pas ça le plus important, c'est là. Et là, je suis toujours très, très jeune. Justement, pour terminer, dernière question sur Bruna. On sait que vous êtes très proche, que vous entendez très bien, que c'est une capitaine exemplaire. Est-ce qu'avant de partir à Gior, finalement, elle n'est pas en opération commando, qu'elle veut partir par la grande porte, qu'elle veut faire plaisir à son coach, à son président et partir avec le triplé? Il faut lui demander, d'abord qu'elle se fasse plaisir et qu'elle fasse plaisir aux copines, mais... Peut-être qu'effectivement, elle s'est mise dans une configuration où elle irait au bout du bout du bout. Je l'ai entendu à demi-mot dire qu'elle laisserait sa vie sur le terrain à Metz en bâche qu'à la fin de l'année. J'ai jamais eu le sentiment qu'elle avait une autre attitude, quoi qu'il arrive. Maintenant, il arrivera ce qu'il arrivera, bien évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que Bruna, comme elle a pu le faire le match d'avant, et le match d'avant, et le match d'avant, donnera tout. Comme la plupart de ses coéquipières aussi, mais... c'est vrai que la relation que Bruna peut avoir avec tout le monde dans le club, hein, avec moi, avec le staff technique, avec le staff médical, avec son président,
avec ses joueuses, avec le public, est quelque chose, je crois, d'assez fort, d'assez fusionnel. Est-ce que c'est l'une de tes plus belles rencontres sportives ? Oh, largement. Oui, sans hésitation. Alors après, c'est complexe parce qu'en fait, des fois, je le dis, moi, parce que j'ai bientôt 40 ans, peut-être, mais je ne veux plus être juste celui qui va arriver le matin, dire « Ok, on joue ça, on joue ça, on joue ça, ça va, terminé. » Je veux sentir que j'ai aussi un impact sur l'individu, la joueuse, la personnalité, le caractère, la femme hein, aussi. Et voilà, avec Bruna, je pense qu'on a aussi dépassé le cadre de bah, « Tiens, joue ça, joue ça, joue ça. » On peut parler de plein de choses. J'ai fait plein de belles rencontres à Metz et ou à Mios par le passé, mais Bruna, bien sûr, fait partie d'une des plus belles. Oui, c'est une évidence. Ouais. Pour terminer, à quel point une saison serait réussie et une saison ne serait pas réussie ? Est-ce que le fait d'avoir simplement le titre de champion de France serait une réussite ? Est-ce qu'il faut pour toi absolument retourner au Final Four, réaliser le doublé championnat-coupe ? Très, 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 très bonne question. Je ne vais pas la jouer minimaliste, mais pour qu'elle soit réussie, moi, je pense qu'il faut qu'on aille au Final Four, quoi. Déjà. Et après, parce qu'on y est, il nous restera encore deux opportunités de gagner quelque chose, quoi. Donc je pense que c'est ça. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille plus. Il faut qu'on donne tout. Il faut pas qu'on chouine. On a 15 jours, là, à mettre de l'énergie, à être concentré, à faire le nécessaire. Voilà, je pense pas que je suis petit joueur à dire, bon voilà, si je, parce que j'aurais pu dire ben, une victoire en finale de Coupe de France et puis ça aurait été super, mais on ambitionne depuis le début d'être champion de France, d'aller au Final Four. Et on part de loin en début d'année encore une fois, donc y être, ce serait. Et puis en plus, là c'est peut-être personnel, mais ce serait la première fois qu'on fait deux Final Four d'affilée. On en a fait un, on en a fait deux, et j'ai pas envie qu'on réattende 2-3 ans pour y être, etc. J'ai envie de suite, et pour le coup, ça aussi, ça recrédibiliserait le club, parce que c'est dur hein, d'en faire deux d'affilée. Et donc voilà, je pense que c'est ça qui pèserait, qui permettrait aussi, aux yeux de tous et de toutes, de dire « Ah ouais, ok, deux en deux ans, c'est beau, quoi. » Je me compare pas avec les autres. Mais c'est vrai que peu hein, sont les équipes qui sont capables d'en faire tac-tac, deux d'affilée, etc. Et le cercle se resserre. Je suis désolé de le dire, mais moi, je vois plein d'équipes en Europe qui ont des niveaux énormes. Ljubljana est en quart, mais que Ljubljana n'ait pas encore fait un Final Four, je me dis quand même, le CSM, ça patauge un peu, quoi. Le dernier Final Four, c'est celui où elles sont venues nous gagner. Mmh. Ici, il y a un moment maintenant. Donc je me dis, mais comment cette équipe-là n'est pas au Final Four, comment FTC n'est pas au Final Four depuis un petit moment maintenant. Donc c'est dur, c'est très très dur. Et voilà, je suis content qu'on soit en quart, mais on aspire à plus. Ce serait vraiment incroyable, quoi. Merci beaucoup en tout cas, Manu. On croise les doigts pour ce week-end et même pour cette double confrontation. Et les jambes. Et à très vite. Au plaisir, merci à vous.